Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la chronique Echo. Et cette semaine, on va étudier l'art dans son troisième plus grand marché mondial en Chine. Nous allons rendre d'abord à une foire de l'art contemporain avec notre envoyé spécial Clémence Azuelos. Et tout de suite, les images. Cette semaine, Beijing accueille la 11e édition d'Art Beijing, une des plus grandes foires d'art contemporain d'Asie. Collectionneurs d'art et curieux sont venus nombreux pour assister à ce grand rendez-vous de la création artistique. L'équipe de la Chronique Echo en profite pour vous faire rencontrer ceux qui font vivre un marché de plusieurs milliards de dollars. Le décryptage des grandes tendances du marché de l'art chinois, c'est le reportage de cette semaine dans la Chronique Echo. L'ouverture du pays en 1979 a permis son développement artistique. Depuis, l'art contemporain chinois connaît une expansion rapide. C'est vrai qu'en 2011, le marché de l'art chinois avait généré des sommes colossales et qu'il s'est depuis contracté. Mais il est encore loin d'avoir achevé sa croissance. L'année dernière, nous avons battu des records à Hong Kong. Et encore récemment, nous avons adjugé une peinture de Wu Guanzhong pour près de 30 millions de dollars. En 2015, le marché chinois est le troisième plus gros marché de l'art au monde, avec 11,8 milliards de dollars de transactions réalisées, soit 19% du marché international. Il se place juste après les États-Unis et le Royaume-Uni. En 2000, la part de la Chine dans le marché international de l'art était inférieure à 1%. Aujourd'hui, les collectionneurs du pays constituent une clientèle incontournable des maisons de vente aux enchères nationales et internationales. Alors en Chine, pendant très longtemps, les collectionneurs se concentraient sur l'art classique, traditionnel chinois. Et c'était plus une question d'investissement, mais donc c'est encore marginal, mais on voit apparaître des nouveaux collectionneurs dans la nouvelle génération qui s'intéressaient d'abord à l'art contemporain occidental parce que c'était une valeur plus sûre, mais qui de plus en plus essayent de développer l'art contemporain chinois et qui essayent même de trouver des collections plus précises encore en se concentrant sur la photographie chinoise, la photographie japonaise. Depuis 2008, plus d'une centaine de musées publics ou privés s'ouvrent chaque année en Chine. De nombreuses galeries voient également le jour ou s'étoffent et permettent le financement de jeunes artistes chinois. L'art traditionnel chinois reste une valeur sûre, mais le design contemporain du pays, on le vend en poupe. Il profite des nouvelles technologies qui transforment les modes de consommation de l'art en Chine. L'entreprise pour laquelle je travaille manufacture des objets d'art destinés à une clientèle ordinaire. Nous pensons que l'art a sa place dans toutes les maisons, qui n'est pas seulement destinée à une élite. Nous avons une plateforme en ligne pour rendre nos articles accessibles en particulier et en revendeur d'art. C'est une pratique de plus en plus courante, moins intimidante pour les entrants sur le marché. Mais 2015 fut également l'année d'une contraction du marché de l'art chinois, moins 23% par rapport à 2014. Les observateurs attribuent cette baisse d'activité, d'une part au contexte économique mondial et au ralentissement de la croissance économique chinoise, et d'autre part à la politique gouvernementale anticorruption du président Xi Jinping, qui aurait mis fin à la pratique des pots de vin prenant la forme de donations d'œuvres d'art. Le marché chinois rencontre actuellement trois difficultés, l'authentification des œuvres, leur évaluation monétaire et leur circulation. Dans ce dernier domaine, le gouvernement a posé certaines limites. Les importations d'œuvres d'art sont taxées à hauteur de 6% du prix de l'œuvre, alors que dans de nombreux pays, ce type d'achat est défiscalisé. Pour ce qui est de l'exportation, toutes les œuvres de plus de 80 ans font partie du patrimoine du pays et ne peuvent pas sortir du territoire. Autre grande tendance du marché, la Chine brille dans le domaine des ventes records. Liu Yitian, par exemple, est un collectionneur célèbre pour avoir bu son thé dans une tasse de la dynastie Ming d'une valeur de 36,3 millions de dollars. L'année dernière encore, il a acquis Nu Couché de Modigliani pour 170,4 millions de dollars, soit la deuxième plus grosse somme jamais dépensée pour une œuvre d'art lors d'une vente aux enchères. Tout laisse à penser que le marché de l'art chinois n'a pas fini de faire la une de l'actualité. Le pays compte en effet la plus grande population de milliardaires au monde. Depuis Beijing, c'était Clémence Azuelos pour CCTV français. Et voilà, aujourd'hui sur notre plateau, à mes côtés, je vais vous présenter un couple d'artistes. D'abord, c'est Madame Xiaoke, vous êtes artiste et cofondatrice de Phoenix Art, et votre mari, Monsieur Jonas Stamp, donc vous êtes historien et commissaire de l'art. Bonjour et bienvenue. Merci. Merci, bonjour. Et donc vous travaillez tous deux en Chine et dans le domaine de l'art. Quel est concrètement votre travail et quelle est votre relation avec l'art? On va commencer par Madame Xiao. Moi, j'ai approfondi dans trois différents domaines. Je suis artiste, je suis aussi commissaire d'exposition. Et maintenant, je travaille, depuis 2 ans, je travaille à Phoenix TV, Phoenix Art.
comme travail dans les médias d'art. Qu'est-ce que vous faites en fait, Phoenix Art? Phoenix Art, c'est depuis 2014, Phoenix TV a ouvert un plateau sur le domaine de l'art. On travaille pour les médias, tous les médias sur l'art. Aussi, on travaille, cette année, on commence à travailler sur le développement, le promouvoir de l'art public dans l'immobilier. Et puis, on fait aussi des vidéos, on fait... Ça veut dire beaucoup d'activités. Voilà. Et pour vous, Monsieur Stamp? Moi, je suis producteur de festivals d'art performance ici en Chine, mais aussi en Europe. C'est-à-dire que j'ai un double emploi. Et quelle est votre relation avec, avec l'art? Avec l'art, je suis historien d'art et aussi fils de deux parents peintres, en fait. Et maintenant, vous travaillez en Chine? Alors. Maintenant, je suis en Chine. Ça fait combien d'années que vous travaillez en Chine? 5 ans. Cinq après ans. 23 ans en France. Ben là, donc, si on parle de, du marché de l'art en Chine, donc, il semble que l'art est quand même loin de la vie quotidienne des Chinois, c'est-à-dire que des Chinois ordinaires. Donc, comment alors peut-on définir son rôle dans, dans la vie des Chinois aujourd'hui, Monsieur Stan? Pour moi, c'est peut-être difficile à dire, même si j'étais là pendant 5 ans. Moi, je peux voir qu'il y a une challenge quand même en Chine, comme partout dans le monde, c'est-à-dire de créer une relation entre l'art contemporain et le peuple, et les gens. C'est-à-dire comment rapprocher les deux, comment rapprocher les deux, comment créer une pont. Et Madame Xiao, je pense qu'à ce point-là, donc, vous devez connaître beaucoup plus que votre mari. Racontez-nous votre expérience. En fait, si on parle seulement l'art, je pense que dans la vie quotidienne, il y a toujours existé l'art, parce qu'il y a l'art vraiment pour le, l'art professionnel domaine, il y a encore l'art pour la vie. Par exemple, l'art de décoratif, même la décoration pour la maison, il y a beaucoup de l'art de la vie. Donc, je pense. Sinon, je pense que c'est vrai qu'avant, pour l'art contemporain, marché d'art, avant en Chine, pas autant populaire, mais depuis des années, je pense maintenant, c'est assez, ça commence à s'approcher. Je pense que le marché de l'art en Chine, c'est quand même important. Donc, on peut voir facilement sur la graphique derrière nous, sur l'écran. Donc, en fait, ça, je pense que ça indique donc les chiffres d'affaires réalisés de différentes années en Chine et dans le reste du monde. Donc, on peut voir facilement en 2011, donc la Chine occupe la première place mondiale. C'était vraiment un pic pour le marché chinois de l'art. Et aussi, donc, et je pense que plus souvent, ce sont des ventes aux enchères, des offres d'art qui attirent beaucoup d'attention des gens, du public. Et donc, en fait, qui sont ces clients de ventes aux enchères? Et quels sont les usages de ces offres d'art pour ces acheteurs? Vous parlez en Chine ou international? En Chine. En Chine, parce que, par exemple, il y a une association de membres de collectionneurs, mais il y a 20%, ce sont les entrepreneurs des industries. Je pense pour le reste, il y a beaucoup de ce sont les personnels. C'est possible, ce sont les gens qui viennent de domaines de consommation, domaine financier, domaine, comme je vous ai dit, immobilier, tout sont un peu comme ça. Mais il y a des institutions aussi. Il y a des collections de privés. Voilà. Et quand même, dans quel but dépense-t-il autant d'argent? Quel but? Ça dépend. Parce que tout d'abord, moi, je pense que c'est toujours, il ne faut pas ton émotion. Il faut aimer l'art. Secondaire, bien sûr, en Chine, maintenant, c'est un très bon moment pour investissement si on achète des œuvres d'art. C'est pour, les Chinois sont très spéculation, par le but de spéculation. La spéculation. Voilà. Et Monsieur Stamp, avez-vous pas participé à des enchères, à des ventes aux enchères en Chine? Non, pas encore. Pas encore. Non, mais peut-être à venir proche. Et une question qui est intéressante, c'est beaucoup d'amateurs d'art se posent souvent. Donc, comment on détermine la valeur d'une offre d'art? Comment donc, parce qu'on sait que chaque offre d'art a un prix, mais comment on peut déterminer ce prix, Monsieur Stamp? D'abord, c'est une très bonne question, je trouve, et c'est parce que c'est très difficile. Il n'y a pas d'un standard, comme avec le téléphone ou l'événement, il n'y a pas un standard de prix. C'est assez subjectif, mais on peut dire, par exemple, un artiste qui est très connu parce qu'il a participé dans plusieurs expositions dans différents musées ou des centres d'art, il a une cote assez haute. Et aussi, il y a quand même
les enchères qui met le prix sur les artistes. Il y a aussi les métiers aussi. Par exemple, le peinture à l'huile, il y a un prix. Sûrement, c'est plus cher que gravure. Voilà, il y a les différents métiers. Photos sont moins chers que le peinture à l'huile. Est-ce qu'il y a certains standards à respecter pour les offres d'art, pour les différents types d'offres d'art dans le marché ou dans les ventes aux enchères? Des standards par rapport à... En fonction du niveau de prix. Je pense que toujours l'art, c'est comme le brand mark, c'est comme le marque, en fait. C'est comme une LV, une Prada. C'est-à-dire que c'est le marque qui a un prix et une cote. C'est-à-dire que le marque, là, c'est les artistes, le nom des artistes, qui est connu, qui est moins connu, etc. Mais ça ne veut pas dire que la qualité d'un artiste plus jeune est moins forte que quelqu'un qui a une marque plus forte. Et c'est ça qui est intéressant justement dans l'investissement, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent trouver des artistes jeunes parce que là, ils sont moins chers. Par rapport aux pays étrangers, pensez-vous que les valeurs des offres d'art en Chine sont vendues à un prix raisonnable? Je ne peux pas vous répondre à cette question parce que là, je ne suis pas l'information correcte. D'accord. Et Madame Xiao? Je pense que c'est assez élevé, à mon avis. Et puis en Chine, parce que dans la vente d'enchères, comme le loi de marché pas très bien équipé, donc il y a toujours quelque chose de pas très vrai. Donc il y a certaines manipulations dedans aussi, je pense. Mais le prix par rapport le vrai d'art, valeur. Même, tu prends un exemple, un artiste contemporain, son prix peut-être c'est déjà presque Picasso, donc en réel, c'est pas possible. Donc, mais pour le moment, c'est comme ça. Ah oui, j'ai une question sur les offres d'art contemporaines, les offres d'art traditionnelles. Enfin, quelle est la différence au niveau de prix entre ces deux types de produits artistiques? Bah, ça peut avoir une différence de prix, par exemple, entre un Picasso, qui est quand même une valeur complètement sûre, et un artiste contemporain, il y a des différences de prix. Mais en même temps, il y a aussi des artistes contemporains qui peuvent monter jusqu'à un Picasso. Je pense que là, on vient de parler beaucoup des offres d'art avec des artistes réputés, mais pour les gens ordinaires, pensez-vous que les offres d'art sont accessibles aux gens ordinaires en Chine spécifiquement? Maintenant, ça commence, je pense. Par exemple, cette fois-ci, vous avez juste fait l'info sur Atpikin. C'est juste 4 jours. Il y a le chiffre de visiteurs, c'est déjà 95 000. Déjà dépassé base Hong Kong. Donc, en plus, on dit que cette année, comme les impôts en Chine, c'est très cher. Donc, les galeries sont plus locales. Donc, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de collectionneurs. On connaît, mais quand même, il y a beaucoup de nouveaux acheteurs. Et, en plus, il y a beaucoup, beaucoup de visiteurs, ce sont les gens ordinaires. Et donc, comment ça se passe à l'étranger? Alors, si on prend l'exemple de la France, puisque nous avons tous vécu en France, donc est-ce que les offres d'art sont accessibles aux habitants normaux, ou bien il s'agit, comme on dit, d'une nécessité pour la vie des Français? Oui, moi je pense qu'ils sont accessibles dans les musées, ils sont accessibles dans les galeries, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de gens qui visitent, qui font le tour de ce monde de l'art. Et en ce qui concerne l'achat des œuvres, c'est quand même une chose différente, parce que les œuvres d'art, ils sont quand même pas... ils sont assez chers. D'accord. Et Madame Xiao, donc, vous avez fait vos études en France pendant plus de 10 ans, je pense. Oui. Donc, quelle est votre impression, en fait, sur la différence de l'ambiance artistique entre la Chine et la France? Moi, je pense à le rythme, vitesse. Tout d'abord, dans l'impression, en Chine, tous sont très vivants, très rapides. C'est vrai que l'histoire, le marché ici, c'est 10 ans. Mais en France, tout est très long, mais très sérieux, je pense. Et M. Stamp, est-ce que vous travaillez beaucoup avec les artistes chinois? Oui, en fait, je fais. Ben, si on parle de la condition des artistes, est-ce que c'est toujours pareil dans un pays à l'autre? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a quelque chose qui frappe beaucoup d'artistes étrangers qui viennent ici, c'est que il y a quand même pas mal d'artistes chinois qui sont assez riches. Je pense aussi, mais bien sûr qu'il y a... Ben, ils sont déjà riches déjà avant réussi. D'être... réussi. Non, qu'ils ont réussi. Qu'ils ont réussi. Ouais, qu'ils ont réussi. Et pour les Français, pour les artistes français, comment ça se passe? Peut-être qu'ils sont
moins ouvert en fait. Parce qu'ici, moi, en fait, de toute façon, pour moi, je vois que j'ai un accès aux artistes qui est beaucoup plus ouvert que, par exemple, dans un pays comme la France ou l'Angleterre. Mais on sait que si on prend un exemple de Paris, donc la ville de Paris compte plus de 200 musées et on y voit tout le temps donc des affiches, des expositions artistiques et aussi donc ces affiches renouvellent fréquemment. Donc est-ce qu'il existe des aides ou un fonds public pour que plus de gens puissent apprécier donc la beauté de l'art? Je pense que chaque musée, en fait, elle a un fonds pour promouvoir leurs expositions, mais aussi il y a bien sûr des stratégies, des tactiques, donc des stratégies politiques, culturelles pour promouvoir l'accès aux gens à l'art contemporain. Là, il Est-ce y a des qu'on a ce stratégies. genre de fonds pour aider les gens à apprécier la beauté de l'art en Chine? En Chine, officiellement, je pense pas vraiment maintenant. Est-ce que ça va arriver ou pas? Ça peut arriver peut-être quelques fondations qui commencent à faire quelque chose, mais pas par le gouvernement, je pense, non. On sait que les pays européens, surtout la France, donc c'est un exemple plus particulier. Donc, on sait que leur histoire dans le domaine de l'art a été déjà des centaines d'années, mais pour les Chinois, donc c'est quand même un marché émergent. Donc, est-ce que les Chinois ou les amateurs de l'art chinois sont déjà conscients de cette partie spirituelle de leur vie? C'est-à-dire que est-ce que les Chinois ont déjà commencé à acheter ou à apprécier donc l'art dans leur vie quotidienne? Bon, je pense que ça commence parce qu'en Chine, l'investissement, au début, on toujours investit immobilier. Après, c'est la bourse. Maintenant, c'est la période de l'art qui commence. Et donc, on a interviewé un directeur artistique chez Boli Théâtre. Donc, le monsieur nous a dit que pourquoi on visite, on voyage en Europe, c'est parce que en Europe, il y a beaucoup de charme artistique et aussi historique. C'est pour ça, donc, si c'est le cas, est-ce que la Chine pourrait suivre ce chemin de développement, c'est-à-dire que si on développe l'art, si on développe le domaine de l'art, et donc en même temps, on pourra probablement stimuler donc le domaine de tourisme dans le futur. Oui, moi je suis certain, parce que quand même le C'est tourisme vrai. culturel, c'est une énorme économique. Si on va à la France, par exemple, la France vit presque sur ça, à part les produits de luxe. Alors, je pense que oui, c'est mais là, il faut quand même une politique, une stratégie pour le développer. Et Madame Xiao, donc, quels sont les obstacles pour la Chine dans ce domaine? Donc, quel est votre point de vue? Je pense que parce que comme on avait dit que parce que l'art c'est quelque chose qu'il faut produire très longtemps. Maintenant la vitesse de marché c'est trop vite. Ça correspond pas vraiment au développement de l'art, son propre nature. Mais si c'est le marché d'art c'est l'autre chose. Peut-être pour convaincre le marché d'art il faut être vite. Et puis pour les obscurs, je pense que les lois de l'art ici sont juste commencées. On n'a pas assez de théorie, on n'a pas assez de bonnes pratiques. Et puis, en fait, je pense qu'il y a encore beaucoup de faux aussi. Faux vente en chair, faux. Donc, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis et la Grande-Bretagne occupent respectivement la première et deuxième place au classement des transactions d'œuvres d'art et la Chine, donc, à la troisième. Mais le marché chinois est considéré comme l'un des plus grands marchés du monde. Et que pensez-vous des perspectives de vente d'œuvres d'art en Chine? Et on commence par Monsieur Stamp. Je pense que comme c'est une énorme économie, la Chine comme pays, je pense que bien sûr qu'il y a un avenir assez grand là. Oui. Et on voit aussi une graphique pour nous indiquer la répartition des ventes par des pays différents, mais on voit bien que la Chine occupe une partie assez importante, n'est-ce pas? Oui, ça c'est vrai. Ouais. Et Madame Sir, donc quel est votre avis sur le futur développement Moi, de je l'art en pense que c'est Chine? toujours comment? Optimiste? Optimisme, oui, pour le futur. Parce qu'en Chine, il y a une vitalité, c'est très rare, on voit dans le marché d'art du monde entier. En même temps, il y a beaucoup d'opportunités très ouvertes, il y a des innovations, donc il y a beaucoup d'essais. Donc ça, c'est le côté très bien, mais le côté système doit développer, la loi d'art, objet d'art, de vente aux enchères doit développer, ça, c'est l'autre chose, je pense.
Si on parle de l'économie avec l'art, est-ce que pensez-vous qu'il y a une relation très très forte entre les deux? Entre l'économie et l'art, hein? Ouais. Ah oui, tout à fait. Il y a une énorme relation entre les deux, très forte. Et... Bah, en fait, l'art, c'est de l'argent. D'accord. Si on veut dire. Et vous êtes d'accord avec votre mari? Parce que je pense là, il y a deux valeurs. Il y a une valeur, c'est la valeur artistique. Il y a l'autre valeur, c'est la valeur commerciale. Je suis d'accord avec ma femme. D'accord, merci. Merci, monsieur Stambé. Merci, madame Siao. Et merci pour vos commentaires aujourd'hui.